Et salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour ce Grand Prix d'Allemagne, 11e épreuve de cette saison 98. Et comme vous le voyez, ce sont des conditions très très pluvieuses sur ce Grand Prix d'Allemagne, en tout cas ses qualifications. Et la pluie ne nous a pas quittés hein, depuis le dernier épisode. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu la dernière course, je vous invite à la regarder. C'est sûrement la course la plus dingue de cette saison. Même s'il y a eu pas mal de courses qui étaient assez folles cette saison, je pense que l'Autriche a sa place en tant que course la plus dingue de cette saison. Est-ce qu'on va avoir autant de spectacles aujourd'hui? On va voir ça, mais vraiment, ce Grand Prix d'Autriche, c'était un truc de dingue. On a même eu, je vais vous spoiler, mais maintenant, à partir de maintenant. Donc si vous ne voulez pas être spoilé, je vous invite à regarder la course d'avant du coup en Autriche. Mais la course était tellement folle qu'on a eu une arrose qui menait le Grand Prix devant une Minardi. C'était n'importe quoi. Donc, et puis à la fin, on a réussi à gagner face à David Coulthard, qui a bien failli nous prendre la tête de course, sauf que il a eu des problèmes de panne d'essence. Donc du coup, on a été sauvé et on a réussi à embaucher. Oui, bien sûr, on embauche les victoires, hein, évidemment, lors des salaires. Oui, bref, on a réussi à empocher plutôt cette victoire, cette troisième victoire d'affilée, cette quatrième de la saison. Est-ce qu'on peut remporter une cinquième victoire aujourd'hui? Ça serait assez fou. Surtout que la voiture s'améliore petit à petit. Bientôt, je pense qu'il y aura l'upgrade de fiabilité pour la boîte de vitesse. Donc bientôt, on n'aura plus à prendre de fiabilité. D'ailleurs, je me demande bien pourquoi j'ai pas pris cette initiative plus tôt. Parce que j'ai pas l'habitude de mettre de la R&D sur la fiabilité. C'est sûrement pour ça aussi. En tout cas, je vous laisse pour mon meilleur tour de qualif. C'est parti, let's go, on se retrouve après. We've only got two laps of fuel left. Et effectivement, comme vous l'avez vu, c'est la pole avec 6 dixièmes d'avance sur les McLaren et les Ferrari. Effectivement, j'avais oublié que l'IA était lente sur ce circuit parce que fin 2020, évidemment, n'est pas adapté à Hockenheim. Donc les IA sont un petit peu plus lentes. J'ai oublié d'abaisser la difficulté. Enfin, d'abaisser. Justement, il ne faut pas l'abaisser, il faut l'augmenter plutôt. Parce que les IA, je crois qu'elles sont à 80, entre 90 et 95. Je ne sais plus trop, ça, j'ai pas changé depuis le début de la saison. Mais rassurez-vous, la saison suivante, la difficulté sera augmentée. Vous en faites pas. Alors vous avez ici des grid penalty, parce qu'effectivement, le jeu est basé sur le modèle de la Russie. Donc en gros, si des IA ralentissent à l'épingle, d'Hockenheim par exemple, alors que c'est une partie rapide de Sochi par exemple, parce qu'en gros... pour faire Hockenheim, il a pris la place de Sochi, mais le jeu, il comprend pas. Donc du coup, le jeu, en gros, il croit que c'est encore Sochi. Donc du coup, cet endroit où il y a l'épingle, ça se trouve, à la place, c'était une partie rapide de Sochi. Donc le jeu, il considère ça comme un blocage illicite, parce que le jeu, il comprend pas pourquoi une voiture est aussi lente, alors que c'est censé être une partie rapide du circuit de Sochi, alors qu'en fait, la réalité, c'est que...
Bah, c'est l'épingle d'Hockenheim ou une zone très lente. Voilà, c'était un petit peu compliqué à vous expliquer, mais c'est comme ça qu'il y en a qui ont pris des pénalités sur la grille pour blocage illicite. Même Alesi qui a été disqualifié pour ça. Vous avez vu qu'on a pris une upgrade châssis. Tout va pour le mieux, notre voiture devient de plus en plus performante et ça fait plaisir. Allez, on se retrouve pour la course. Je laisse le commentary à Jacques Lafitte et Pierre Van Vliet. After the points finish last race, let's aim to keep the momentum going. Les pilotes se préparent actuellement sur la grille de départ ici à Hockenheim pour ce Grand Prix d'Allemagne, la 11e manche du championnat du monde de Formule 1 1998. Il y en aura 16, vous le savez. On va pouvoir se doubler, on va avoir peut-être aussi quelques problèmes de frein. C'est parti pour le tour de formation avant de se mettre en grille de départ. Et tout le monde s'en va, y compris les Minardi là-bas en fond de peloton. Alors, petite interruption pour vous dire qu'effectivement, je pars 6e à cause de la fameuse pénalité de boîte de vitesse sur la grille. As things stand, we'll be second in the championship. On les chauffe peut-être un peu moins que d'habitude, les petits zigzags. On sait que les pneus vont monter en température, mais que la chaleur sera un peu l'ennemi cet après-midi. Oui, ça va être intéressant en tout cas de voir comment se comportent les pneumatiques des voitures. Regardez, là on rentre dans cet immense stadium où, chargé avec 70 000 spectateurs. Ici un virage, la courbe Saxe que les pilotes abordent en seconde, elle est en dévers. Et regardez comme on chauffe ses pneus. Là on arrive sur une chicane, un long passage qui est à fond pour les pilotes. Tout est en troisième maintenant à partir de cet endroit-là. Voilà les deux doubles droites avant la ligne droite des stands assez courte qui commande le premier virage où on... Attention au départ, parce que dans ce premier virage, beaucoup de problèmes ici à Hockenheim en général. The rest of the grid is forming up. Be patient and watch for the lights. S'allument quand ils vont s'éteindre, c'est parti. Et on est parti sur ce Grand Prix d'Allemagne avec un bon départ face à mon coéquipier, et c'est surtout un bon départ de Michael Schumacher devant qui vient venir s'attaquer au McLaren. Bon départ d'Hakkinen aussi qui vient s'attaquer à Coulthard, mais l'Écossais reste devant. Je passe devant mon coéquipier Ralf Schumacher, Michael Schumacher qui vient s'attaquer à Hakkinen. On va essayer d'enrouler Irvine qui se fait bloquer. Voilà, on va prendre la quatrième position directement. Est-ce qu'on peut aller chercher l'autre Ferrari, celle de Michael Schumacher? Et les deux McLaren sont devant. Et Michael Schumacher a déjà pris 5 secondes, sûrement pour blocage illicite. Effectivement, voilà, comme je vous l'ai expliqué, le jeu ne comprend pas que c'est l'Allemagne et pas la Russie. Donc les pénalités, malheureusement, risquent de tomber. C'est un petit peu le problème, malheureusement. Ça aussi ses faiblesses d'avoir un circuit qui n'a rien à faire sur le jeu de base. Et du coup, Virtual Safety Car deployed pour aucune raison, parce qu'effectivement ils étaient tous au ralenti à l'épingle, et ça a trigger la VSC parce que le jeu il a dû croire qu'il y a eu un bouchon. C'est pour ça, et du coup bah il y a une McLaren qui a laissé passer l'autre. C'est Hakkinen qui s'attaque à Coulthard. Ah non, c'est Coulthard qui laissait passer Hakkinen, excusez-moi. Coulthard qui avait laissé passer Hakkinen puisqu'elle allait se réattaquer à lui, mais il y a eu la VSC. Schumacher d'ailleurs qui a failli redépasser. En tout cas, j'espère qu'il n'y aura pas trop de VSC un temps festif comme ça, parce que ça risque d'être un petit peu ennuyeux quand même de se faire interrompre la course comme ça à chaque fois. C'est parti en pneus hard, hein, je crois, pour les McLaren. Encore une fois, les McLaren qui sont hard, hein, qui sont ballsy dans leur choix stratégique, malgré que les Ferrari prennent les médiums. Et VSC qui part de la piste. VSC qui part de la piste, et le Delta qui a une seconde 3, qu'est-ce que quoi? Quoi? On va voir le replay de ce qui s'est passé. Là, j'ai pas eu le temps de réagir. Là, qu'est-ce qui s'est passé? Là, on avait un delta save d'une seconde. Donc, je me suis dit, je pouvais accélérer. Puis là, d'un coup, le delta, il a été à une seconde 3. J'ai pas eu le temps de réagir. J'ai freiné un maximum. D'ailleurs, les autres, ils se sont barrés. Donc, j'ai l'impression qu'ils ont pas eu le même problème que moi. Puis, j'ai pris un drive-through de façon complètement gratuite. Merci, la FIA. La la la. On vous déteste. Ah là là. Ah bah oui, le jeu, le jeu, il a pris le delta du circuit de Sochi, pas d'Hockenheim. Du coup, c'est fait niquer comme ça. Puis en plus, les IA, ils ont pas ralenti comme moi, ils ont pas eu de drive-thru. Mais vas-y, c'est pas juste. C'est pas juste, vraiment. C'est pas juste. Et là, du coup, on va se retrouver dernier. Va falloir qu'on remonte tout ça. Mais vas-y, mais fais chier. Pas drôle. Franchement, c'est pas drôle. Voilà, bon.
Allez, on a 14 secondes d'écart. Il va falloir pousser comme un animal pour rattraper ce gap. Sauf que Neves, c'est va interrompre notre charge. Terrible désillusion. La FIA qui ne sait pas quoi faire, qui active des random VSC, qui me met des drive-through. Ah, en fait, c'est pour ça. Ils ont vu que l'IA était faible sur ce circuit. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est le nerf. Ah, théorie complotiste. Oui. Excusez-moi. Allez, VSC qui se barre, cette fois-ci on est safe, c'est bon, on a 2 secondes d'écart, j'ai voulu vraiment être safe avec ça, je lui dis non, pas un deuxième drive-through, t'es bien gentil, mais j'en veux pas, c'est pas un cadeau pour moi. Et on a déjà rattrapé les voitures qui sont lentes déjà, là, on est déjà plus qu'à 2 secondes d'elles, donc normalement les Tyrell, les Arrows et les Minardi, ça devrait être facile à doubler. Il est bien revenu au freinage, une belle glissade malgré tout, mais on est bien revenu au freinage. Et ça se bat hein, quand même hein, pour les places, les petites places. Hein. Regardez, hein. Côte à côte, ça et là. Et ils se gênent entre eux en plus. Donc ça nous permet de bien les rattraper. Et on se retrouve derrière les Brésiliens Ricardo Rosset. Et c'est les deux Arrows qui se battent pour la P17. C'est un peu le retour sur terre là pour Arrows. Parce que là, il menait le Grand Prix d'Autriche pendant quelques tours. Mais Cassalo, là, il se bat pour la 17ème place avec son coéquipier. C'est pas la même chose. C'est pas vraiment la même chose. Alors, on va dépasser Pedro de la Rosa. Maintenant, on va débarrasser de l'autre Arrows, celle de Cassalo. Et on va aller chercher Max Verstappen. Jos Verstappen. Pourquoi je dis Max Verstappen, putain? J'ai fait lapsus à la con, là. Jos Verstappen, qui a pris 5 secondes de pénalité, je suppose, pour blocage illicite. Mais bon, de toute façon, on s'en fout, on va le doubler quand même. Regardez, ne serait-ce dans le premier virage, on le rattrape très très vite. Et on va s'en débarrasser, voilà. Comme s'il n'existait pas. Et on va prendre la 16e position. Et on va aller chercher Jacques Villeneuve qui est à la chasse de Marc Genet et de sa Minardi. J'espère que Villeneuve va se faire un petit peu bloquer, comme ça on va pouvoir le dépasser plus vite. Et drapeau jaune, oui effectivement, il y a des drapeaux jaunes qui vont trigger un petit peu partout, c'est normal. J'espère que ça va pas provoquer une troisième VSC alors que Villeneuve va se débarrasser de Marc Genet pour lui prendre sa 14e position. On devrait aller rejoindre la Minardi d'ici peu, voilà. Suffit de quelques virages, puis on est juste derrière, pas de soucis. C'est l'enrouler par l'extérieur et lui prendre sa 15e place. Prochaine cible, ça va être Jacques Villeneuve et sa 14e position. Villeneuve qui est en train de rattraper, je crois, les Benetton. En tout cas, il y a une Benetton. Peut-être une Stewart, je ne sais pas trop ce qu'il y a devant. En tout cas, elle va les rattraper assez vite, je pense. On a un très bon rythme aujourd'hui. Allez, on est juste derrière Villeneuve. Oh, le gros freinage. Oh, le gros freinage qui est Bolzi! Ouïouïou, il a failli se prendre Wurz au freinage. Et en fait, c'est Nakano qui est devant Wurz. Encore une fois, Nakano qui fait une course héroïque. Hein, pour ramener sa Minardi en 12e position. Et safety car qui est déployé. Qu'est-ce qui s'est passé pour que cette dernière soit déployée? Est-ce que c'est un abandon ou est-ce que c'est le jeu qui a pété un câble? J'ai l'impression que c'est la deuxième option. Le jeu a pété un câble. Et du coup, on a 0% d'usure. Donc ça fait comme en France, là. Donc je me dis... On va rentrer pour l'Hypnosoft et aller jusqu'au bout, puisque si ça fait comme en France, on peut faire durer les Hypnosoft jusqu'au bout. Ouais, ça glisse, ça. Attention, j'ai vraiment essayé de freiner au dernier moment, on a failli. Imagine, on aurait cassé la voiture dans le mur de cette façon, ça aurait été extrêmement ridicule. Allez, on va chasser l'Hypnosoft et aller jusqu'au bout du Grand Prix. En tout cas, si ça fait pareil comme en France, ça nous donnera raison et surtout, on aura le surplus de rythme. Comparé aux autres IA, les autres IA, oulala, je sors du RP un peu trop là, c'est pas bon là. Je viens de penser au truc du retake là, sur la vidéo, sur le résumé foireux d'Angel Beats, où t'as la meuf qui dit « C'est pas bon, tu poses trop de questions, opening !» C'est un peu ça là, et c'est pas bon, sort du RP là, opening. Bon, c'est un peu trop tard pour l'opening là, on est aux 15 premières minutes de la vidéo, c'est un petit peu trop tard là. Allez, la VSC, oui. La safety car, la vraie safety car cette fois-ci qui va partir. Je suis traumatisé par les VSC, c'est pour vous dire. Là, je suis traumatisé par les VSC qui apparaissent n'importe quand. Allez, safety car qui va s'en aller. On devrait se débarrasser encore une fois de ces voitures comme on a réussi à le faire. Hein, les Minardi, les Tyrell, les Arrows, voilà. Ça devrait être facile à doubler, pas de problème. Allez, on est juste derrière Ricardo Rosset. On va pouvoir tenter la manœuvre au premier virage. Voilà, nickel. On se débarrasse du Brésilien pour prendre sa 19e position. Normalement, de la Rosa, ça devrait être pareil au prochain freinage. Voilà qui est fait. Ah, il me voit pas. Il me met dans l'herbe. C'est pas cool.
Et on dépasse quand même de la Rossa. Mamma mia, je l'ai perdu. Imagine, il était encore à ma gauche. Ça aurait été le crash le plus ridicule du siècle. Mais bon, c'est pas grave. Allez, on va chercher l'autre à rose, celle de Mika Salo. Drapeau jaune, encore une fois, c'est normal, vous en faites pas, ce rythme-là s'y habitue. Mika Salo, 17ème place de prise, voilà, il tombe à la 18ème place du coup. Et on va chasser Verstappen et Marc Genet. Jos Verstappen, pas Max Verstappen. C'est pas vraiment la même carrière hein, entre Jos et Max Verstappen hein, quand même. Hein. Pendant que l'autre domine dans le futur, lui, il se trimballe des voitures. Nul, genre Tyrell, Minardi. C'est terrible, hein, Jos Verstappen quand même. Même s'il a commencé avec Benetton. Sinon, Jos Verstappen, c'était compliqué. Simtek aussi. Hein. C'est compliqué quand même, Jos Verstappen. En tout cas, on s'est débarrassé de Max Genet. Oui, Marc Genet. Jacques Villeneuve, Alexander Wurz, Shinji Nakano qui rentre au stand, et Jean Alesi. Voilà, on fait plein de dépassements dans cet enchaînement de virages. Décidément, Max me hante. Hein. Le prénom Max me hante. Je suis désolé, je sais pas ce qui me prend. Et Shinji Nakano qui tente l'intérieur au premier virage, mais ça ne passera pas. On sort un petit peu de la piste. C'est un petit peu questionnable, effectivement, comme défense. Mais la FIA s'en fout, donc on va rester devant. Et la prochaine cible, c'est Jean Alesi qui a pris 5 secondes de pénalité. Encore une fois, le même problème, je suppose. Mais en tout cas, ça nous rend la tâche plus facile. Hein, s'ils prennent tous 5 secondes de pénalité quand on s'approche d'eux, je veux dire, ça nous facilite la tâche. Mais bon, ça ne veut pas dire qu'on va rester derrière une Sauber quand même. On est bien plus rapide que Jean Alesi, surtout en virage. Alors que David Coulthard est en 1.21.0 quand même, c'est McLaren qui sont rapides. Ne vous en faites pas. Quand on aura du cleaner en pneu soft, on va le battre sur le meilleur tour. Je le sens. Je le sens bien là. Allez, au premier virage, on arrive très très fort sur Jean Alesi. Qui va essayer de défendre sa 10ème place comme il peut, mais de toute façon il a 5 secondes, donc c'est un petit peu useless. Mais en tout cas, il défend très très bien sa position, hein, genre allez-y, malgré tout, on va le décroiser ici. Et on va lui prendre sa 10ème position normalement. Voilà qui est fait, c'est bon, on a pris la 10ème position. Notre prochaine cible, ça va être Magnussen, qui est à 4 secondes. Évidemment, on parle de Yann Magnussen et pas de Kevin. Genre allez-y, qui ne se décale pas. Et à chaque fois, je vois des noms qui sont là dans les formules récentes, j'ai envie de dire les noms de leurs fils, j'ai envie de dire Kevin Magnussen, Max Verstappen, Giuliano, allez-y. Je ne sais pas pourquoi, ça me hante, c'est terrible. Alors qu'ici, ils rentrent au stand en 11ème tour pour chausser des hards, du coup, bah, les IA sont bêtes. Elles font la stratégie de base, elles ne savent pas que les pneus s'usent pas. Dès que tu fais l'upgrade dur de pneus, bah, les pneus s'usent quasiment pas sur certains circuits. Voilà, pour dire ne s'usent pas. En tout cas, elles usent beaucoup moins déjà de base. Les voitures classiques usent beaucoup moins les pneus de base. Alors là, surtout si tu mets un upgrade de pneus, alors là, elles usent beaucoup moins les pneus. Alors qu'ici, il y a une Williams et une Sauber qui sont côte à côte. C'est Frenzen et Herbert, comme on l'a vu ici. Qui va avoir l'avantage? Et je crois que c'est la Sauber qui a un petit peu plus de vitesse que la Williams. Et Johnny Herbert est passé devant Frenzen. Frenzen qui a pris 10 secondes de pénalité. Ah oui, d'accord, c'est terrible pour Enzerald. Et on va lui faire l'extérieur. Ils sont très très lents hein, dans cette zone du stadium. C'est pour ça qu'on peut aller les chercher aussi facilement. Ouais, c'est un petit peu loupé ici. Herbert au stand. Ralf Schumacher qui est au stand. Michael Schumacher. Les deux frères Schumacher du coup sont au stand. Et David Coulthard qui a 10 secondes de pénalité. Ouh là là, je pense qu'en fait, Häkkinen a dû rester trop souvent juste derrière lui. Lui, il a dit « Ah, blocage illicite, MDR !» Donc du coup, bah Häkkinen se retrouve peut-être en tant que favori s'il ressort devant moi. Attention, non, il ressort derrière. Il ressort derrière. Ça veut dire que là, pour l'instant, je serai en position de gagner le Grand Prix. Et Coulthard, qui est devant avec ses pneus hard, bah, il va se réarrêter. Donc du coup, ça veut dire qu'au prochain tour, ça veut dire que je serai en tête de ce Grand Prix d'Allemagne, si je ne dis pas de bêtises, ce qui est quand même pas mal, surtout qu'on était dernier à cause de ce fameux drive-through. On s'en est plutôt bien sorti, merci la safety car qui nous a permis de faire un arrêt gratuit. En tout cas, là on se met très très bien, on n'a plus qu'une dizaine de tours à tenir jusqu'au bout de la course. Yellow flag, qu'est-ce qui se passe? Rien, c'est bon. De bien alarmant, ils sont à 14 secondes derrière, donc vraiment on est très très bien, on est très très rapide. Franchement, c'est c'est comme en France en fait, c'est l'une des courses où je domine parce que j'ai plus de rythme, j'ai plus de capital pneu qu'eux en fait, tout simplement. J'ai 17 secondes d'avance sur Mika Häkkinen. David Coulthard forcément est ressorti derrière Häkkinen vu qu'il a purgé une partie
de sa pénalité au stand, mais en tout cas les deux Ferrari hein, également 5 secondes dans l'affaire. Et voiture de sécurité, bah oui évidemment la FIA veut pas qu'on gagne aussi facilement. C'est comme en France, on domine bien puis d'un coup, oh tiens, safety car. Parce que bon, faudrait pas trop qu'il domine de façon un petit peu trop proéminente quand même, faut pas abuser. Et on a failli prendre un tour à une arrose. Hein. La rose qu'on a dépassée un petit peu plus tôt dans le Grand Prix, hein. C'est pour vous dire à quel point on est rapide. Car on va rentrer au stand, on va en profiter pour chausser des nouveaux pneus soft, parce que de toute façon on a 26 secondes d'écart. Donc autant en profiter un maximum, je veux dire autant en profiter un maximum, hein. On va rentrer au stand et chausser de nouveaux pneus soft, de toute façon on sera tous bunched up. Donc autant en profiter un max, on va sortir devant, on a 26 secondes, donc vraiment c'est suffisant. Même si on est à 60 km/h dans la pit lane, normalement ça devrait être suffisant. Ouais, c'est bon, on sort devant les McLaren, tout va bien. Et on va ressortir du coup en tête, comme si rien ne s'était passé, du coup ça va être un sprint de 2 tours probablement. Parce que devrait s'en aller, tour 25, c'est de safety car, en tout cas on va voir ça. Ouais, tour 25, le safety car elle est là, elle devrait partir d'ici peu. Et regardez comment je les retiens ici, alors vous vous dites, mais pourquoi tu les retiens, pourquoi tu vas aussi lentement, tu vas te prendre une pénalité pour locage illicite. Eh ben, tout simplement, je veux réunir tout le monde. Comme ça, ça devient encore plus dingue, tu vois. Et ça peut donner des chances aux autres. Puis si, par exemple, mes rivaux se crashent, bah, ça peut donner des chances à ceux de derrière pour d'être devant. Plus de chances d'être devant. Et du coup, plus de chances de leur prendre des points. Vous comprenez, c'est de la stratégie, c'est de la tactique. Bon, attention à Kinen qui se montre très agressif, je crois qu'il en a eu marre. Il en a eu marre, regardez cette agression au dernier virage. Ah, il me dit, hey, qu'est-ce que c'est que ce truc là? Il a cassé mon aileron le saligo, il en a eu marre. Il s'est dit, c'est bon frère, je vais pas rester derrière toi à vie. Et là du coup, bah ma tête de course est en péril là, parce que Mika Hakkinen il va se barrer avec ses médias. Mais moi j'ai un aileron cassé là à cause de lui. Il a pas pris pénalité pour ça d'ailleurs. Hein. En tout cas, Irvine va terminer derrière moi de toute façon, mais c'est pas lui le problème. Faut que je me débarrasse d'Irvine pour me débarrasser d'Hakkinen d'abord. Oui, c'est ça le truc. Faut que je me débarrasse de l'Irlandais. Et ça glissouille un petit peu avec cet aileron bien cassé. Ça va être un petit peu compliqué, même si on a des nouveaux pneus soft qui compensent le manque de grip. C'est pas ouf, quoi, d'avoir un bout d'aileron cassé, surtout avec ses voitures. Divebomb très osé là sur Irvine, je crois qu'il y a eu un bon petit contact, effectivement, ouais. Collision avec Irvine. On va essayer de revenir à l'aspiration sur Hakkinen, tenter un divebomb osé. Pour rester devant lui, ah, il a pris 5 secondes. Il a pris 5 secondes pour le blocage illicite. Et finalement, on s'est dit, ah bah pas de divebomb, puisqu'il s'est pris 5 secondes. Puis surtout, on est plus rapide au premier virage. Regardez comment on revient dessus. On a un petit peu coupé, mais... Chut, on n'a rien vu, on n'a rien vu. Allez, Hakkinen qui du coup va se faire dépasser. Voilà qui est fait. Et on reprend la tête de la première place. La tête de la course dans ce dernier tour. J'ai dit deux fois la même chose dans une même phrase quand même. La tête de la première place. Excusez-moi, regardez toutes les pénalités qui se prennent, 5, 10, 5, 5, ça risque de bouleverser le classement de fou, hein. Ça se trouve, on se retrouver avec une voiture lente dans le podium, d'ailleurs j'ai ralenti exprès, du coup pour que les autres ils reviennent dessus, comme ça pour qu'ils leur prennent des points, vous voyez, bah... j'utilise toutes les stratégies les plus bâtards, mais bon, on va voir si ça marche à l'arrivée, en tout cas 4ème victoire consécutive, et ça c'est magnifique, d'ailleurs je me demande si on prend pas la tête du championnat comme ça, Driver of the Day mérité je trouve, allez. On laisse le commentaire à Jacques Lafitte et Van Vliet. Et voilà, c'est la victoire pour la Jordan Honda. Mika Hakkinen passe la ligne. Deuxième position, David Coulthard. Troisième, Michael Schumacher. Sixième, Irvine. Huitième. Il s'est bien battu, mais aujourd'hui, il accuse quand même une lourde défaite.
Donc du coup, victoire sur ce Grand Prix d'Allemagne. Regardez les pénalités. Regardez l'assaut de pénalités de la FIA, s'en est donné à cœur joie aujourd'hui. Du coup, les deux McLaren m'accompagnent sur le podium. Johnny Herbert, 4e devant Yann Magnussen. Effectivement, le classement qui a bien été changé. Sûrement à cause de mon ralentissement dans le dernier tour qui les a permis du coup de ne pas être trop loin. Des voitures un petit peu plus modestes qui ont un petit peu besoin d'aide pour les rattraper. Du coup, ça leur prend des points, donc ça a fonctionné à merveille. Les deux Ferrari qui sont que 6 et 8 à l'arrivée. Et Jos Verstappen qui marque un petit point précieux pour Tyrell. Pour la lutte entre petites équipes, hein, Minardi, Arrows et Tyrell. Et on a pris la tête du championnat du monde pilote. 14 points d'avance sur Eddie Irvine. Ça se trouve, on a vraiment une chance, après tout, de jouer le titre. Ça serait incroyable. Mais vraiment, il faut qu'on soit régulier à tous les Grands Prix. Hein. Faut vraiment qu'on soit là à tous les Grands Prix si on veut une chance. Hein. Parce que après, ça va être un petit peu plus compliqué. Parce que la Hongrie, c'est une course où les IA est un petit peu plus performante. Après, on va avoir Spa et Italie. Ça risque d'être un petit peu compliqué parce que ça joue un petit peu sur notre faiblesse moteur. Après, Zandvoort, c'est un circuit un petit peu plus atypique. Donc peut-être qu'on peut avoir une chance de jouer des gros points là-bas. Et Suzuka, ça risque d'être compliqué parce que Suzuka, ça joue pas mal sur le moteur et la performance de la voiture aussi. Donc, faudra qu'on voit. Mais ça se présente bien. Ça se présente vraiment bien pour le coup. Great workout there today. Let's have your thoughts. You're leading the championship. Are you happy to be there or feeling the pressure? You gained a lot of positions during the race, didn't you? You're breaking all expectations. What's your secret? You had a few bumps and scrapes today. Who would you say is at fault? Appreciate your time. Et on se retrouve dans le QG de l'équipe et vous voyez que la fiabilité, ça a marché, c'est bon, on a notre upgrade fiabilité. Par contre, notre upgrade châssis, malheureusement, n'arrivera pas, il va falloir attendre un petit peu plus. C'est mi-fig, mi-raisin, mais après, le plus important a été fait. Notre upgrade fiabilité de boîte de vitesse a été faite, c'est bon. Notre boîte de vitesse devrait moins s'user pour les prochains Grands Prix. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Bon, par contre, la mauvaise nouvelle, c'est qu'on va devoir remettre des points R&D sur une grosse upgrade. Donc, bon, ça coûte un petit peu cher en termes de points de ressources. Mais c'est bon, normalement, on devrait moins changer notre boîte de vitesse. On va dire que ce sera plus chaque 2-3 courses plutôt que chaque course ou chaque 2 courses, tu vois. Ça, c'est une bonne nouvelle. Voilà, donc prochain Grand Prix en Hungaroring, ce sera sous conditions sèches. Il y aura des changements de réglementation pour la prochaine année. Donc il va falloir conserver ses points de ressources et surtout on verra sur les prochains Grands Prix quelle partie de la R&D sera touchée. En tout cas, j'espère que ce Grand Prix d'Allemagne vous aura plu. On se retrouve pour le Grand Prix de Hongrie très bientôt. Allez, ciao les amis, tchuss et portez-vous bien.